Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Myriam. Aujourd'hui, vidéo assez particulière parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la journée d'Al-Haïd et les gars, Ramadan est passé grave vite, pas d'accord? Aujourd'hui, ça va être une vidéo incroyable parce que c'est le moment où on va se faire des cadeaux pendant 24 heures. 24 heures? Parce que c'est la fête de l'Aïd. Et quand c'est la fête de l'Aïd, il faut se faire des cadeaux. Bah oui, logique. Allez, on y va. Oh, t'as mis une night tech. Allez, on y va. C'est quoi ça? Il reste à ma main. Bah en fait, ça, c'est mon tableau pour pas que j'oublie. J'ai seulement 3 cadeaux que vous devez m'offrir. 3 cadeaux, c'est carré en vrai. Attends, mais montre, c'est quoi les cadeaux? iPhone 15, 1500 euros. Basket Nike, 200 euros. Ouais, 150 euros, ça fait 1150 euros. Cordialement. Aujourd'hui, je me mets bien. Comment on va faire? Mais lâche-moi. Eh, reviens, Younes, reviens, y'a pas d'argent. Vas-y. Allez, on y va, regarde. Non mais là t'es pas sérieux, les cadeaux que tu as mis sur le tableau là, c'était pas sérieux. Hey, Yassine, écoute-moi bien parce que je vais te tailler, je vais te parler français. Et t'as vu la fête du Eid chez les musulmans, c'est une fête de cadeaux, de partage et de bien-être. Donc là vous avez dit on se fait plaisir. Je vous ai marqué ma note de cadeau. Hey, je choisis, hey, y a pas de je sais pas quoi, je choisis un cadeau sur les trois, t'as pas le droit de choisir l'iPhone. Tu choisis quoi? Ça sert à rien. Non mais t'as pas le droit de choisir l'iPhone hein. Oui, je choisis pas l'iPhone, monte, on va m'acheter des cadeaux. Ok. Pas mal. Mais tu vas pas mettre ça pendant l'Eid. Mais à chaque fois pendant l'Eid il fait chaud. Mais tu vas pas mettre ça, Younes, mais non, n'importe quoi. Je mets ça. Mais non, mais arrête de dire n'importe quoi. Frère, c'est la honte. Ça se met pas. Ça se met pas ça pendant la hate. Prends un survêtement comme ça. Bah oui. Oh mais ça c'est trop basique. On m'attend avec un survêtement Nike. J'ai pas envie de prendre un survêtement Nike. J'ai envie de prendre un. Oh, je suis honnête. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ça c'est personne prend ça. Tu fais partie des Beatles ou quoi? Arrête, frère. Lui il est bien lui. Incroyable les gars. Mais t'as le même. Ouais, je l'ai déjà. Je suis regardé au niveau Mahou, mais Real Madrid, ressaisissez-vous. Si vous, c'est pas une citrouille d'Halloween, le truc. Et tu sais, pour la première fois de ma vie, le Real Madrid, ils font un maillot aussi moche que ça. C'est une dinguerie. Regardez. Et cette année, regarde Myriam le pyjama. Regarde, ils ont fait n'importe quoi. Oh là là là, c'est un mélange de PlayStation et de. Non, par contre, le blanc, il est pas mal, le blanc, on est d'accord. Le blanc, refaites des trucs comme ça. Faites des trucs comme ça. Prenez exemple un petit peu sur le blanc. Voilà. Et toi, tu parles de moi et tu vas mettre ça pour l'Aïd. Je peux mettre ça pour l'aide. C'est quoi le prix? C'est quoi le prix? 59. 59 moins 30%. Ça fait 40 euros, je pense. Pas si je le mets pour l'aide. Ah, je sais pas. Maman va nous disputer si tu mets un truc de Paris pour l'aide. Mais en vrai, c'est toujours maman qui me fait mes tenues à moi pour l'aide. Ouais. Mais cette année, je vais me rebeller. Là, on va prendre un cadeau pour notre deuxième sœur et vous allez voir. Mais non, toi, t'as pas de deuxième sœur, toi, t'as qu'une sœur. Ah oui, c'est vrai. Pour notre deuxième sœur à nous, à moi, Younes. Voilà. Donc, c'est important de faire des cadeaux à toute la famille. La famille, même si vous la voyez pas souvent sur YouTube, on a essayé de lui faire plaisir. Regardez-moi la paire. Est-ce que vous la validez ou pas, les gars? Myriam, elle a dit autant lui prendre celle-là, mais vous êtes d'accord que celle-là, tout le monde l'a. Et celle-là, il y a presque. Elle est stylée, je la trouve. Après, la famille, il y a celle-là, mais dommage, tu vois, ici, c'est Maxi Pan au raisin. Ouais, Maxi Pan au raisin, c'est trop gros. Donc, on lui prend celle-là. Moi, je pense celle-là, c'est validé. Blanc, aussi, tout le monde. Une paire. Prenez ce que vous voulez, merci les gars. Merci beaucoup. Celle-là, vous les trouvez bien ou pas? Bah oui, à ce moment-là. Fais voir celle-là, vite fait. Et fais voir celle-là. C'est pas à peu près la même, non? Mais elle est incroyable. C'est la même, hein. C'est exactement la mais même. Elle est incroyable. C'est vrai. Oui, elle est incroyable, mais il l'a déjà, sauf dans une autre couleur. Ça sert à rien de racheter, non, les gars? Toi aussi, t'as tous les cadeaux que tu voudras acheter, t'auras les mêmes. Non, mais moi c'est bon, moi, j'ai la meilleure paire du monde, les gars. Non, mais il a dit c'est les mêmes. Il a raison, c'est les mêmes, il a raison. Première tenue pour Myriam, les gars. Notez sa tenue sur 10. T'aimes bien? Elle est grave stylée. T'es un joueur de foot. Tourne pour voir, tourne. C'est carré le S. Autour de Yacine. Mais t'as pris la même tenue. Et t'as pris un peu de poids, non? Bah, du coup, vous avez pris cette tenue. Après, vous parlez de moi, vous vous habillez en foot. Tenue pour Younes. Ma petite tenue. Ah, on dirait que tu vas faire de la peinture. Eh, par contre, Myriam, Younes, il a grossi. Regarde son ventre, il sort. C'est bien, pas. Tu manges bien. Je prends pas, il est claqué. Ah, moi, je sais pas. Moi, je te donne mon avis. On dirait un mec qui va faire de la peinture. A few moments later. Jeune homme. Vous faites quoi ici? Allez, vous m'avez laissé payer et vous êtes parti. Elle demande au monsieur s'il y a des Dora Balls. Enfin, c'est quoi encore? C'est quoi ça, des Dora Balls? Elle est malade, Myriam, ou quoi? Comme ça, elle va tout seul. Comme ça, elle croit, elle a 26 ans. C'est quoi des Dora Balls? J'ai payé 200 balles là déjà. Elle a son argent. C'est ça, les Dora Balls? Dora Balls. C'est quoi ça? Vas-y, c'est l'aide, vas-y, prends. Ouais, c'est un moment de fête, mais c'est pas les Dora Balls, si vous voulez. Laisse-la, elle a le droit. Normalement, pour les musulmans, Yassine, le jour du Eid, ça doit être une journée magnifique. On doit attendre ça toute l'année. J'ai de l'argent. T'as combien? J'ai 20. Alors, du coup, t'as pris ton survêtement de peinture ou pas? Non, je vous ai pris que vos habits à vous et moi, je commanderai sur internet comme d'habitude. C'est toi le boss. T'as arnaqué? Ouais. Ouverture de mon cadeau de l'Eid. 17 euros, hein. Fais-nous voir. C'est quoi? Ah, des bonbons! Bah ouais. Incroyable, les gars, des bonbons. 17 balles, Yacine, 17 euros. T'as payé 17 euros? Regarde les 2000, regardez mais les 2000. C'est quoi ça, Myriam? Mais t'as acheté ça à 17 euros? Bah oui. Y'a que ça? Les 2000, ils font des dingueries. Ouais. En fait, ton truc, c'est que des petits personnages. Bah oui. Je t'avais dit qu'il fallait pas acheter des Dora Balls. Oh, c'est la dernière fois que j'achète des Dora Balls. Myriam! Ça sert à rien d'appeler, elle vient pas, Younes. Je voulais tous vous faire un cadeau, les gars. Vous savez que moi, ma spécialité, c'est la bouffe, bien évidemment. Donc là, aujourd'hui, on va faire des filets aux fiches. Vu que ça fait archi longtemps qu'on n'en a pas mangé, par la mayonnaise, je vais en faire un pour moi, un pour maman et un pour Myriam. Pour qui celui-là?
Vous, ça, celui-là, c'est pour Myriam. Allez. Vous allez voir que moi, je suis généreux. Et d'ailleurs, si je deviens président de la France, je vais faire la première loi que je vais faire, c'est de mettre 3 poissons dans un filo. Mais personne ne va voter pour toi, Younes. Il a voté pour moi. Chaque filet au fish aura droit à 3 poissons. Voilà, comme ça. Tu vois, c'est mieux. Pas comme, tu vois, dans les fast-foods, ils mettent qu'un filet. Ensuite, on vient mettre fromage. Eh, mais Myriam, faut qu'elle fasse des frites maison, vraiment, Yacine. Hein. Ouais, Myriam, elle va s'occuper de faire des frites. Ensuite, on va rajouter de la mayonnaise. Regardez, c'est comme un recette. Encore ? Regardons, non, mais juste là, comme ça. Eh, je te promets qu'une si tu refermes le sandwich comme ça, il peut être incroyable. Je sais, mais avant, je vais faire un petit truc. Ça, les gars, c'est mon astuce. C'est quoi ? Spécial cut familia, des oignons crispy. On va faire un bon repas, les gars, et on va bien m'amuser. Moi, je m'occupe des frites, et les gars, franchement, c'est la vérité. Je dépasse tous les fast-foods en faisant mes frites. J'avoue. Quand c'est Myriam, elle a qu'une technique à son arc, c'est les frites, mais elle les fait trop bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Ça, c'est une nouvelle machine pour faire les frites. Enfin, plutôt pour tracer les frites, si on peut appeler ça comme ça. Là, tu vois, tu coupes ta pomme de terre, tu l'épluches, tu la coupes. Ensuite, tu la coupes bien comme ça, faut bien qu'elle soit droite. Tu la mets dedans, et tu fais ça. Et genre, ça coupe une frite, mais ça marche pas. Bah non, ça coupe pas une frite, justement, regarde. Là, après, tu vas venir enlever ça. Prends ton couteau, tu fais ça, ça. Ah. Et là, t'as des traits, c'est-à-dire ça peut t'aider. Wow, la dinguerie, la table. Oh. Mais c'est un truc de ouf, regardez ce qu'il y a. On a directement ici des chocolats. On a de la pâte Twix, ça, je savais même pas que ça existait. On a des frites incroyables juste ici. Des hamburgers. C'est des croissants fourrés, ça. Ouais, des croissants fourrés. Wow. C'est une masterclass, mec. Et vous allez vous régaler. On a dit aujourd'hui, c'est la fête. Myriam, on commence par les frites de Myriam. Elle a une technique, c'est les frites. Il faut qu'on goûte avec la sauce curry. Vas-y, my sauce curry. Oh, tu mets direct sur la frite. Ouais, j'avoue, les gars. C'est une nouvelle technique de Myriam, ça. On met directement la sauce. On va voir. Je vais dire la vérité, hein. Bismillah. Donne-moi ta main. Bien joué, super bien joué. Elle a fait des frites super bonnes. Elles sont pas trop molles, ni trop croustillantes, et il n'y a pas trop d'huile. Ouais. C'est carré. Franchement, bien joué, les gars. Myriam, maintenant, c'est faire des frites. Maintenant, il faut que tu trouves une autre technique. T'as pas une autre technique que les frites? T'as pas d'autres choses, genre des pâtes? Apprends les pâtes maintenant. Je sais faire déjà des pâtes. Ah ouais? Bah oui. On les crée dans une prochaine vidéo, Myriam. Inch'Allah, tu seras des pâtes. Maintenant, le Big Burger. Est-ce que tu remarques pas un truc dans ce burger-là? 3 poissons? Oui, 3 poissons. Vas-y, goûte. À mon tour. Bismillah. Un plaisir. La mayonnaise, c'est la meilleure sauce dans un filet au fish, les amis. D'ailleurs, comme j'ai mis du poisson, on sent bien le poisson, le fromage est bon, le pain est cool. Seul petit bémol, c'est tout petit. En deux crocs, il n'y a plus rien. Le pain, il est lisse, il glisse dans la gorge. Le poisson, il y en a trop, c'est-à-dire c'est plus savoureux. Du coup, c'est combien sur 10? Combien sur 10, ça? 10. T'as de la chance, si t'aurais dit une note que moins de 10, j'aurais tapé un croc, j'aurais tout mangé. Ça, c'est maman, ça, c'est, je vous dis la vérité, c'est ma mère, c'est sa spécialité. Que des croissants, moi, pour l'instant, je vais préparer un petit dessert. Ça fait grave grossir, mais c'est trop, trop bon. Il y a du fromage et de la. Comment ça s'appelle déjà? De marguerite. Pizza. Ah, c'est en mode pizza. Ici, on envoie ça, direct la chantilly, comme ça. Neuf. Et avec un petit chocolat. Voilà. Moi, pour ma part, ça sera du Twix, de la dégustation américaine. J'ai trop kiffé. Je prends du Twix. Ça, c'est la technique de Yacine. Une bonne quantité généreuse et on va venir appliquer comme ça. Il n'y a pas assez là, mon frère. Mais si, il y a assez, il y a assez. Ça te dit, on teste les desserts, du burger au dessert. On est la cote familiale, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Burger au dessert. C'est la fête, on fait ce qu'on veut. Ça aussi, c'est ma mère qui l'a fait, elle avait tarte aux pommes. Elle est polyvalente, elle sait un peu tout faire. C'est 1, 2, 3. Mais Yacine, le jour de l'Aïd, ça fait un truc bizarre dans le ventre comme tu remanges, c'est normal. Ouais, faut que ton ventre il se réhabitue, c'est normal. C'est grave bizarre, ça coule et ça fait un effet bizarre comme, comme de l'eau qui. Je sais pas comment expliquer. Moi les gars, si vous le jour de l'Aïd, ça vous fait ça quand vous remangez, ça fait. En tout cas, le gâteau, maman, je te mets la note de 10 sur 10. Exceptionnel. Goûte, tu vas voir le fil, incroyable. C'est un œuf au chocolat, genre. Goûte. Est-ce que t'as les dents, c'est solide? Ah ouais, elle a encore ses dents de bébé, donc du coup, elle pourra pas casser l'eau. Donc Yacine, je vais te présenter une personne, tu l'as pas vue depuis grave longtemps. Qui? T'inquiète, prends les affaires, prends les sacs, prends tout. Oh non, ça va être gênance totale, là, si tu me dis. Mais non, mais t'inquiète, c'est pas gênance, vas-y, prends, t'inquiète. Je pense en vrai, Yacine va péter un trou ou quoi? Je sais pas. Vas-y, Yacine, viens. Avance. Tu peux ouvrir les yeux. Ça va, oh, cousin? Ça va, les ça cousin, fait, ça fait comment ça va, cousin? Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que j'ai un peu grossi, j'ai pris du poids, on a changé de milieu. Ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Une meuf du lycée. T'as cru j'allais te marier? Non. Je crois qu'il a cru que tu l'as ramené. Non, c'est une meuf du lycée. T'es un malade. Derrière ce corps,
de Ronaldo se cache un talent extraordinaire. Et je pense qu'avec l'expérience, je suis devenu meilleur que vous deux. Mais non, quoi? Mais non. Attends, là t'es en train de dire que t'es plus fort au foot que nous. Avec l'expérience, je suis devenu meilleur que vous deux. Mais n'importe quoi. Eh, vas-y, viens, on parle pas, viens, on fait un défi. Et je pèse mes mots. Un penalty, une frappe, un deux touches chacun. Celui qui met le plus de buts, et tu sais quoi, il a une surprise à la fin. Allez, let's go. Bon, les gars, là, j'ai parlé là. Maintenant, c'est le moment. C'est le moment d'agir. Eh, Sine, tu penses que t'es prêt? Eh, tu sais très bien que je suis le meilleur goal de la foot familiale. Il est à côté. Tu vas tirer là-bas, je le sais. T'es super. Là, je fais avec mon pied gauche. Vous vous souvenez que j'étais gaucher quand même? Tu dois tirer là-bas. Bien sûr, là-bas. Toujours là-bas. J'avoue, j'ai eu chaud. C'est passé à ça. Benzema, quand il tire, il fait ça. Benzema, t'as pas vu, il fait ça. Arrête, fais comme ça. Arrête la main en lucarne, Benzema. Si tu marques, t'es une surprise. Ah ouais? Une surprise. Regarde la surprise. Vas-y, deux touches. Alors, petit filet, c'est pour qui celle-là? Derrière mon dos, j'ai ta surprise. Tu sais, chez nous, les musulmans, l'Aïd, c'est important. C'est important. On t'a fait un cadeau, mon cousin. Tiens. Le maillot du Milan AC. Waouh! Elle est belle. Félicitations. Wow. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le maillot de l'AC Milan. Merci beaucoup, cousin. Mais t'es pas plus fort que moi. Je suis pas plus fort que toi. T'es pas plus fort. Vamos, ça rentre. Ah! Wow! Ah! Hop là. Wow! Oh, la claquette du gardien. Ça, c'est la frappe bonus. Ça, c'est la frappe bonus. Tac, 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 tac. Et tac! Oh, deux touches! Oh, je peux. Elle est là, deux touches! Elle est là! Tac! Et tac! Hamdan, 3 sur 3, t'as un cadeau! 3 sur 3! Et tu sais très bien que je suis le meilleur goal de la foot familiale! Ah ouais? Je plonge! Eh, mon gars, je sais que tu vas tirer là-bas, je sais très bien! Vas-y, je vais tirer là-bas! Avec tes crampons bleus là! Tiens, pourquoi il va pas? De toute façon, qu'il parle depuis tout à l'heure! Vas-y, contrôle! Voilà, là, tu marqueras pas! Et en plus, il m'a mis un petit pont. Monsieur. Et on marquera pas, il a dit. Il marquera pas, il me connaît mal. On lui a ramené une petite surprise. Vous avez vu, Aïssa, il a eu le maillot du Milan. Enfin, il a eu le maillot du Milan, mais en noir cette fois-ci. C'est ça ma surprise. Tu peux ouvrir les yeux. Je peux me retourner. Ouais, tu peux ouvrir les yeux et te retourner. Ok, t'es prêt? J'avais gagné. J'ai bien aimé tes crampons bleus. C'est vrai. Du coup, je t'offre le maillot du Milan AC, mais cette fois-ci en noir. Waouh. En mode t-shirt de ville. En mode t-shirt de ville. Incroyable. Merci beaucoup. C'est moi, j'ai l'édition limitée. Je suis désolé participant de cette vidéo et je vais vous honorer. Mais juste mettez un like, s'il vous plaît. Juste mettez un petit like. Oh, mais lui, il a gagné, c'est trop, frère. Yes! Bien joué. Quoi, bien joué? Pourquoi bien joué? Vas-y, tire. Ouah! Non! Ouais! Ça fait deux. Il a eu l'intelligence de jeu qu'il faut avoir au football. Merci. Il n'y a pas de souci. Et la famille, il y a une grosse nouvelle qui vient de tomber tout de suite là. Aïssa repart sur les réseaux sociaux. Du coup, là, qu'est-ce que tu vas faire? Là, franchement, là, on est sur TikTok. Là, le but, c'est vraiment de tout reprendre sur TikTok. Et franchement, on va kiffer. À tous les abonnés de la Côte Familiale, vous êtes en mission. Allez vous abonner à son compte. Il s'affiche juste ici. Il faut qu'on lui fasse péter les 10 000 abonnés, les gars. Je compte sur vous. C'est vrai, vous pouvez faire ça. Pour l'instant, il a 1100. C'est pas parce que le ramadan est terminé qu'on doit abandonner tous les bonnes habitudes qu'on avait prises en ce qui concerne la prière vers le Coran et tout, faut continuer. Là d'ailleurs, je vais vous donner les habitudes que faisait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la fête de l'Aïd. Donc déjà, il faut prendre un bain rituel, donc faut faire les grandes ablutions dans la douche, ça c'est important. Ensuite, il faut manger avant la prière de l'Aïd. Ah oui, j'aime bien cette sunna, j'aime bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait des dates avant la prière, comme ça au moins tu sais, parce que c'est un jour de fête. Le takbir, c'est de mentionner le nom d'Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi. Ensuite, il faut se féliciter les uns les autres. Bonne fête de l'Aïd, félicitations. Faut porter ses plus beaux vêtements pour l'Aïd parce que c'est une journée de fête. Et interdit de jeûner pendant cette journée. C'est une journée de fête, on n'a pas le droit de jeûner. Fortement recommandé de faire la prière de l'Aïd à la mosquée en groupe. Imagine-moi dans la fourchette, j'applique son conseil. Enfin. Eh, hey, mais ta gaufre Sahar, elle a l'air exceptionnelle. Toi, tu te fais plaisir. Hein. C'est eux, ils savent pas faire les bons choix. Oh là 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 là, mais là, tu t'es conscient qu'il faut pas que tu salisses. Hein. Regardez, Sofiane, prenez exemple. Il a bientôt fini. Bon exemple. Mais laisse-nous savourer là. C'est, on a le droit de savourer ou faut toujours se presser? Tu vas réussir à manger pendant que je roule ou je roule doucement fort? Je vais la finir rapidement. Mireb, sauve-toi. Wesh, hey, les bubble tea, j'ai compris pourquoi ils voulaient prendre un bubble tea pour faire une mitraillette. Eh, hey, mais attends, Sofiane, là t'as donné une idée à des millions de jeunes là. Les gars, refaites pas ça chez vous. Regardez, il prend que des boules. Oh. Hey, c'est un paintball. Non, on se barre, il reste là-bas, il va pas venir. Lolo, même son nez il mange. Vous avez vu son nez? Il mange. Tu dégustes, hein? Tu dégustes, hein? Il est en train de recharger. Mais qu'est-ce qu'il fait lui encore? Oh là là, tu fais quoi? Mais arrête! T'es en train de manger des. Je mange pas, des je suis en train de créer des bonbons. Bah quoi, c'est la fête, on a le droit. Je mange des jouings. C'est quoi? C'est quoi ça, Yacine? Mais c'est Myriam, je sais pas, des mots de lui. C'est quoi?
Ouvre. Attends, attends, touche pas la paire. Non, non, tu me l'as offert, mais Myriam. Oh, elle a dit la paire. Donne-lui. Tu t'échanges ça contre ça, allez. Avec ta tenue de samouraï, là, après, t'allais faire Zoro, Wano Kuni. Oh, merci les frères. Mais non, mais Myriam, t'as pas fait ça. Mais c'est les mêmes que moi. J'aime le sac. Mais c'est un copieux. Vas-y, regardez, ça, c'est les miennes. Il a copié mes crampons. Oh, c'est ça, c'est les anciennes. Est-ce que je peux prendre les nouvelles et tu prends les anciennes, toi? Je peux garder le sac pour aller à l'école. Ouais. Ah, mais j'ai plus d'école. God. Oh. Oh. Tiens. Peu de gazos. Oh my god, ça sent le football. Arrêtez, c'est normal, c'est du foot. En tout cas, merci les amis. On va s'appeler la famille Orange. La famille Rouge. Et... On arrive à la fin de journée, franchement, c'est une journée super fatigante, je suis KO, je sais pas fatigant. Pourquoi. Fatigante, ouais, fatigante. Ouais, je suis fatigante, j'ai même plus à parler. Donc en tout cas, la famille, avant de finir la journée, on a demandé à des abonnés, c'était quoi leur journée de journée parfaite, ils nous ont envoyé des messages, donc on va commencer à les lire. D'ailleurs, si vous ne suivez pas sur Snap, venez, le Snap, il s'affiche juste ici. En vrai, le matin, je me réveille, je m'habille et je vais à la mosquée. Bon, ça c'est logique, c'est basique, c'est comme tous les musulmans. Après la mosquée, je mange vers 13h. Oh, c'est-à-dire qu'ils mangent vers 13h après la mosquée, sachant que la mosquée c'est le matin à 6h. Mais frérot, faut manger avant, wesh. Ensuite, je reçois de l'argent comme cadeau de l'Aïd. Oh, ça fait plaisir. Les gars, dites en commentaire, vous recevez combien? Je vais avec mes collègues faire un gros foot avec tout le quartier. Oh là là là. Ses collègues? Eh, j'avoue, ça c'est une journée parfaite en vrai. Mais en vrai, Myriam, ses collègues, c'est-à-dire ses amis quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à mettre un gros like pour l'Aïd. Abonne-toi, nous on va vous laisser là. Ciao.